Ce que j'aime dans le burlesque, c'est le personnage qu'on se crée. D'abord comme un prétexte. Disons, on se projette dans une personne idéale dans laquelle on aimerait être, à quoi on aimerait ressembler, et puis dans le comportement, dans l'aspect. Mais au final, ouais, c'est un vrai prétexte pour enfin oser, et oser être la personne dont on a vraiment envie de montrer nous. Vraiment d'une grande profondeur et qui a une compétence pour mettre en scène nos idées un peu farfelues et nous amener à se lâcher, à être tel qu'on est, à se découvrir et à se sentir libre, quoi. C'est un immense cadeau qu'elle nous fait dans ses cours. À travers les cours de burlesque, en fait, on apprend à se découvrir le corps. Déjà, on est confronté à soi-même dans un miroir, on est confronté à plein de petits messages qui passent, genre, et bien en fait au final on se rend compte qu'au fil des semaines, on est là, mais en fait, ça c'est quand même, je dis, en fait j'aime bien cette partie-là de mon corps, et en fait, la scène, même si elle n'est pas obligatoire à la fin des cours, moi en tout cas, je n'oblige pas du tout mes filles à monter sur scène, autant c'est quelque chose qu'on a envie de faire au final, parce que là, on se dit, j'ai tellement travaillé, j'ai tellement renouvelé la colle en mestras que maintenant je dois l'exprimer sur scène. Les cours m'ont permis d'assumer mon corps parce que déjà on était encouragés par la prof qui disait tout le temps qu'on était toutes belles, qu'on avait tous nos atouts, et à force de nous dire on l'intègre. Et puis les copines aussi, il y a une ambiance entre filles qui est juste extraordinaire, justement de soutien, d'entraide, qui fait qu'on est super à l'aise et puis on finit par y croire. Je m'attendais absolument pas à monter sur scène après quelques mois. D'ailleurs, lors des premiers cours, je me disais non, je vais jamais réussir à faire ça. On organise aussi des stages découvertes et des stages réguliers de plein de choses. Ça peut être la danse aux éventails, de boa, de juste pour celles qui veulent juste découvrir. Et aussi, on a une fois par mois. Un prof guest qui viendra pour faire des cours sur, je sais pas, le maquillage de scène ou sur la création de costumes ou sur le fait de trouver le feu. Mon travail aussi, c'est de trouver la manière de vous embellir le plus sur scène. Donc, si on a des problèmes de genoux, on va rien faire de par terre. Ou on va peut-être se mettre sur une chaise et puis on va trouver une histoire pour comment garder ses fesses posées sur une chaise pendant tout un numéro. Enfin, c'est vraiment pour tout le monde, peu importe l'âge, peu importe le style, peu importe la taille, qu'on soit mince, pulpeuse, grande, petite. Les élèves que j'ai actuellement, elles ont entre 23 et 60 ans, et elles sont toutes les tailles, toutes les formes, toutes les couleurs. Il faut vraiment y aller tout le monde à sa place.